Tu me dis c'est sérieux? Pardon? Pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas, du coup, avoir une relation avec quelqu'un. C'est pareil comme pour tout le monde. Ça complique un peu les choses, mais... je pense que tout est possible. Ouais, ça c'est sûr. Bah, non. Dans ce cas-là, c'est que c'est pas vraiment des relations d'amitié. Au contraire, ça peut créer des amitiés qui sont plus fortes. Parce que c'est dans l'adversité, les difficultés qu'on reconnaît vraiment ses amis. Être dans une relation d'amitié, c'est accepter la personne telle qu'elle est. Donc. Moi j'adore avoir justement, la plupart de mes contacts, des personnes avec un handicap, peu importe le handicap ou quoi. Et justement, c'est génial. S'il y a des gens qui ne veulent pas être potes avec un handicapé, c'est problématique quand même. Ça dépend du regard de l'autre. Ah, n'est-ce pas? Enfin... En fait, c'est horrible, ces affirmations. Bien sûr que si. Mais oui, on a le droit d'élever. On dirait l'affirmation du Moyen-Âge. Ça, on ne carrera pas. Là, comme ça, je dirais, c'est comme si on disait qu'une personne blonde n'avait pas le droit d'élever des enfants. Il y a des personnes valides qui peuvent moins bien éduquer un enfant qu'une personne moins valide. Ça change rien. Ça, c'est clair. C'est suivant la personne. Dans un monde, tout le monde a le droit d'avoir un enfant. Après, c'est sûr que c'est différent. Moi, je devrais élever mes enfants, je ne serais pas comme tout le monde, mais... Bah non, mais tu y arriveras, comme bah tout ouais, le monde. Ouais, c'est ça. Donc, je suis sûre que je trouverais des trucs, donc... Non, c'est ridicule. Voilà. On ne devrait plus, au jour d'aujourd'hui, se poser ce genre de questions. Non plus, c'est pas dégoûtant. Le sexe, en général, c'est dégueulasse. Le sexe, c'est bien, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, c'est pour tout le monde. Oui. Les personnes handicapées, c'est des personnes, c'est pas des animaux, c'est pas de la zoophilie, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est des personnes, quoi. Enfin, y a pas de... On a le droit de faire ce qu'on veut et quand on le souhaite. Deal. Pas du tout. Au contraire, on se complète. J'espère, en tout cas. J'espère ne pas être aussi lourde que ça, hein. Mis à part le poids de ma prothèse. Si tu aimes... l'autre personne, c'est pas une charge pour toi. Pas du tout. Ça fait partie, c'est la continuité de l'amour. Oui. C'est aussi ça, une relation. Oui. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Je pense que dans un couple, on est toujours là pour s'entraider, donc qu'on soit valide ou pas valide. Je veux dire, il y a toujours un moment où l'un va aider l'autre, et peu importe, effectivement, donc... L'amour avant tout. L'amour.